Voilà, bonjour, Topé, bonsoir, Nabino Tour. Bon, vous allez, en tout cas, rapidement abonner ici pour nous suivre, mes frères et sœurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure ou de l'endroit où vous vous trouvez. Oui, bon, on de la Bissot, on a de la Bissot, info, la Bissot, expliquer tout ça et la Rabino. Je tiens encore une telle fois à dire merci pour mes frères qui sont à Kampala, à Bujumbura, Burundi, en Ouganda, Kenya, Tanzanie, puis l'Afrique du Sud, Tunisie, Égypte, Maroc, Algérie, qui m'ont contacté. Bandeko Baza Belé n'a pas côté Ouna, Boyebi Binomoko, Congolais, Azaloko la Soso Pembe, Azanga Ambokate. Alors mes frères m'ont dit, Pasta, Tozaliawa, Tolandakayo, il y a trop, Tango, Osalahaba, mission. Donc, Toza vraiment de cœur avec toi, Tolingara. Il faut expliquer nayo avec des images à la preuve. Oui, la rabisso en tout cas, Moussala Kitoko, nous sommes reconnaissants vraiment na Oyo Ozakosala. Wana bandeko ya côté Afrique. En tout cas, na Europe, peut-être Ozaki m'appelle, Neti Mukolomo, Benazwa qui appelle, Moko, et Nakamouelambo, Kwana de Kwana Ah! Voilà, bah, Congolais à Japon, merci beaucoup. Congolais à Chine, Vietnam. Merci beaucoup Nandenge Boza Kolanda Biso en direct Bisika Bozali. Vous prêtez attention, vous voyez bah, qu'est-ce que Mboka Zako évolué. Ah, sans oublier aussi, il y a Brésil, il y a Mexique. Bah, Congolais na Mexique, na Brésil. Ah, na Colombie. Bazakolo Bapasta Tolandarayo tous les jours. Naïf Sarabino et Biso Balanda Biso. Tinanda wa Paul Gagame na même ya Yoweri Museveni Balanda Biso. Donc, il politique kanambe kutuna Félix Tshisekedi du Kolobate, bah fan na Kosanganate. Taliba mais Félix Tshisekedi a fan nanga landanga tous les jours na même na portable na tirigi azo landa. Voilà, alors toko démarrer mission na biso peuple congolais pour natoyer comment les choses ezako évoluer na République a démocratisé du Congo binomo boyebi ke côté sécurité. Makambo eza koleka kuna na mboka wana ya ebele, ya ebele, ya ebele. D'ailleurs, nenge na tchele bino na titre, il y a une partie ya lac Kivu. Côté ya Kivu kuna, batu ba population kutu betomboki na tongo oyo, balobi ke Félix a teki yango, et son ministre, oyo ba nomaki wana infrastructure, oyo Félix Tshisekedi d'auto ekonomé, il paraît, c'est lui qui est dans la manœuvre wana, il y a coupé sa concession, une partie à concession, Nabanyamulenge. Et il y a eu un grand désordre aujourd'hui, ce matin. Et la population, il paraît, bah, tombe même église, Nabanyamulenge, côté Kuna. Malheureusement, il y a des images que Togolaksabino, mais ils ont barricadé d'abord la route. Togolaksabino, même vidéo, wana, Oyo, Bango, bah, Sali, bah, manifestation, Nabango, pour s'exprimer, et le mécontentement, Nabango. Comment le gouvernement Azakosalam, parce que même le chef coutumier, il y a côté Kouné, il y a secteur Rwana, car Neymar Babaroubé, le Kaki, Azali vraiment au courant, il y a Koyeba, Nini, Oyo et Zakoleka, côté Kouna, peuple congolais. Donc c'est réellement triste de voir que même bah, chef coutumier, Oyo, Azali censé Koyeba, Nini, Zakoleka, Nakata territoire, Bangomoro Bazao informé. Fatih Béton, Aosala Makambunae, Yemoko, président de la République, Azali en Allemagne, Boyebi plutôt na Turquie, Bisika Oyo, Akutani na âme sœur naye, Akutani na fille Moko Boye, Nenette, fille en Rodongaza Makasi, Alanda Fatih partout, depuis l'Allemagne, Babapé, Bélé, Alandi Allemagne, Azu Avion, Alandi Félix, Tshisekedi, Tina Turquie, ah, Fatih Béton, Azali na Chouate, Ayambiye na hôtel. Alors, on va en parler ici, peuple congolais. Et sans oublier la marche de la Mouka. Marche à la Mouka, Oyo, n'est-ce pas? Et Sengeli et Salama, le 15 septembre. Alors, sans plus tarder, bonjour d'abord, bonsoir, Nabandekotou. Sans plus tarder, Torokende d'abord, na Oyo, na Utuko Ebisabino, Ezakoleka, côté à Uvira, côté à Kivu, Kuna, sur le Kivu. Comment la population a manifesté qui na Tongo Oyo ya lelo colère naie comment on a été président de la République Azaku tu présenté mais ben venez au salaman mboka catastrophique pays grave suivez cela Mboka Congo tomoni ndenge lelo to la mukit lelo to zali tongo
ya mukulu ya le 9 septembre 2021 tozana kati ya ville d'Uvira bato bala muki colère ba ba congolais bala muki ba boyke oyebi groupement oyo ya ba congolais oyo bazoko benga groupement bijombo na kati ya chefferie de Bavira dans le territoire d'Uvira. Le Alexis Gisaro ayaki kopesa ngwe pa maboka ba Rwanda ke akomi groupement ya ba Rwanda batiaki mwa mibusu sur place wana yango tango bakutango wa Kongole bayoki bongo lobby mwamba Bavira zalaki na discours ya kolobake place wana za mabele ya ba Kongole za mabele ya ba Rwanda te boyebi eloko oyo basala ngo pe na minembwe tango wapesa ka grand frère Rubero wa mabele ya ba Kongole balubaka kiyepe akomi mwami lelo basali yango pe na kati ya territoire d'Uvira en complicité ya gouverneur Teo Kasingwa Bidje oyo gouverneur ya Sud Kivu nebo moni boyo balabala oyo za balabala oyo ki na mairie soki to moni boyo oyo za balabala oyo ki na centre ville donc ba jeune bakangi balabala nyoso ya Uvira dekawizi jiske a makobola walobi ke bakondimate il faut balongola mwami wana deki tozo koloba boye bamoni bato walobi ke ba mafiat nani oyo bato basengeli bapesa bato vraie histoire ya mboka lelo nde bakomi bato oyo bazo falsifier histoire ya mboka donc loko oyo vraiment ezo kobeta mitema biso ba kongolais yango ba kongolais lobi trop c'est trop parce que eloko ba mekaki yango na minembwe lelo pe ba yeko mekango awa na Uvira au juste c'est quoi bato ba sengeli ba pesa bato mabele ba pesa bato vraie histoire ya mboka lelo nde ba komi sikoyo ko sala ba histoire moko okuti awa mtu nyoso akomi mwami ba Rwanda oyo azo ko sala oyo za mwami te akomi mwami donc de moni boli wa jeune bakangi ba jeune en colère ba jeune ba congolais ba kongolo bazana na bazana souci mabele na bango nde balobike bango mbote mokonzi mbote yaya yo to yebi ke oza congolais du père et de la mère oza na souci ya Congo oza jeune ville jeune foulir jeune bembe jeune nani to moni lobo kangi balabala za pona nini eloko esali biso to kanga balabala ka bongo hein biso to za na kanda fort ezala ka bongo te ndenge to koma ki awa na Uvira Uvira na biso ezala ki bongo te bazala ki na posa ba koma na zone ya Sud Kivu bazua minembwe mais pona lelo e komi lisusu bazua mopanzi ya Uvira sikoyo kolomboka ya Uvira azala munyarwanda munyamulenge te oui munyamulenge te bango baza banyamulenge te baza banyamulenge te bazande banyarwanda yango wana siko mtu asaka ngwa za nani kolo azala munyarwanda ya liboso kaka azala muvira ezala kabongo te nde salibi soto kaka tukanga balabala kaka bongo eh tozwa solution c'est qui solution ko zala te tukoyeba biso moko ndenge ya kosala la voix de Kivu la voix de Sambo oza media résistance oyo la kisakabino makambo ozo leka na kati ya est ya mboka yango omoni ba jeune bazo bakangi balabala tozo le conflit de terres ils ont persisté de ce côté-là. Malheureusement, le président de la République lui-même est absent du pays. On ne le voit pas, on ne comprend pas si il est informé ou il n'est pas informé. Voilà, micro et moi, les ongi bien. Donc, je crois que le président de la République est censé, même ici, se trouve à l'étranger, de connaître ce qui se passe dans son pays chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque instant. Peut-être à Rui, même qu'on diminue le voyage naïe pour Azongamba ou Namboka. Mais vous savez que lui-même n'est pas là, lui-même, c'est son nouveau ministre qu'il a nommé. D'ailleurs, ce ministre-là vient de faire des déclarations. Malheureusement, la vidéo est plus de 15 minutes comme ça. N'a évité sur une aux occasions, n'a t-il abino, bah, dire, n'a eu, ministre, on a infrastructure, Gisaro, ou à Outer Koloba, à Salaki, comme, bah, déclaration. Vous voyez, la situation du Congo continue d'interpeller, d'inquiéter. Ça demande encore que les Congolais, là où nous, on se retrouve, d'avoir cet esprit de réveil, de comprendre, mabe, zakoya, namboka, nabisho, parce que, balobarake, et là, on y a surtout Bandara Malembe. Hein? Bandara Malembe, tijou, moussou, bon, on a peine à qu'en a, m'boka na bino tout pe kenda. Bozani pe sika, ou kendo kunda bako, kona bino, pe banana bino, m'koulo bango, ba kozalate, ba papa na bino. Donc, il est l'heure, tant plutôt que les Congolais se réveillent partout où ils se trouvent, de voir clair sur la situation du pays,
comment est-ce que yango ezako kende. Ça c'est Gizaro Mutazo sala ba makambo wana nyo sutu. Azalina ni ministre ya Félix Antoine Tshilombo. Et en même temps, de ce même côté, il y a Est, il y a pays, il y a République à démocratiser du Congo. Nous venons d'apprendre ici encore que le Rwanda ici, que je vais lire beaucoup les textes ici, on nous signale que le Rwanda, attendez, je vais ramener le caméra Mandamboué. Voilà, le Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda fait? Le Rwanda, la région du lac Kivu, est comme un diamant brut. Ça, c'est le Rwanda qui parle de ça. Rwanda, le bique, région, il y a lac Kivu. Et Zali, il y a Kivu plutôt. Et Zali, le cola, or brut. Oyo, et Sengeli, Bango, Baya, qu'on exploité. En tout cas, n'a évité. D'ailleurs, dans ce journal, Oyo, Outina, Média, et à France, Marobin Abishoke, Lettre Éco d'Afrique, Mitu, entrepreneur qui vient d'investir. L'hôtellerie de luxe Eugène Niagaré convaincu que le Rwanda est une destination de choix explique. Alors le Rwanda est une destination de choix na Kivu maintenant bisika destination de choix na Bango ezali. Si je peux lire parce que ezali journal payant, est-ce qu'on nous dit la pandémie du Covid-19 n'est pas découragé alors qu'il aurait pu se contenter de s'avouer le succès que lui ont déjà assuré ses investissements et entreprises dans le secteur aussi divers que l'audiovisuel, l'immobilier, la fintech, la banque et l'agroalimentaire. Eugène Niagaré s'est offert un nouveau défi dans les silages de la promotion touristique du Rwanda autour du concept Visite Rwanda. À Kivu, sur les bords du lac Kivu, ce jeune entrepreneur a créé un hôtel de haut gamme aux environs duquel il attend de développer plusieurs attractions à même tous. Donc, le Rwanda, bah, il y a Kivu, Kuna, bah, sali hôtel, côté lac Kivu, pour nous attirer l'investisseur, il y a Mindele, bah, il y a Kakuna. Donc, c'est tout à fait normal parce que quand le Congo, les alliés conduits par un bateau, bah, ils sont inconscients. Alors, mboka na bino ezako kende petit à petit sans que bino moko bozala rassuré na yango boyeba qu'est-ce qui se passe à Kinshasa les gens discutent inutilement et tandis que dans les provinces makambezo kende belé eza pas si trop soki ba kongolais ba kola mukate avec les choses qui arrivent na katia mboka na biso RDC en même temps toujours de ce point parti est de la République a démocratisé du Congo, peuple congolais. On nous signale ici, peuple congolais, na côté à est, pas côté Kuna, ya RDC Kuna. On nous signale ici, lac Tanganyika, la marine burundaise. Tue deux militaires congolais confondus aux bandits suite à l'obscurité. Donc, la marine burundais a bomi deux militaires congolais. Abi ou non, tu confonds des bangos, tu casses les bazar bandits. Ah, parce que attends, pour la peine, na ilo kaboué. Bobo ma bango, bolo baké non, tu casses les bazar bandits. Attends, binomogo vraiment. Les gens qui marchent avec Elo Kwaboué. Vous dites qu'on l'a confondu, on croyait que ce sont des bandits. Ça, c'est vrai. Il faut croire à ça. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, au moment où tout ça, on a mis nos lives. Information Oyo et Bimaki depuis quel jour? Cette information a été livrée. L'information était sortie, je crois. Bimaki, quel jour hein? L'information était bien. Voilà, le 7 septembre, deux militaires de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, forces navales, ont été tués dans un accrochage avec la marine burundaise la nuit de lundi à 7, mardi 7 septembre 2021 sur le lac Tanganyika. Le 7 septembre, Batouana Bakoufaki na Boutouana, Tina Moya Lelo, communiqué plutôt officiel, il y a gouvernement central, il y a Congo, et Zate,
y a province exacte. Félix y est mokwazane na Turquie. Moi si na ye alandaki na Turquie. Christophe Lutundula y est pas landi Félix na Turquie. Ministère intérieur y est aza olande la mutu ya ba Congo faut a démissionner. À tout moment, quand on a moni batindele déjà convocation, sur vos attentes au lac Sengo. Mais des militaires y a FARDC babomi bango, pas des militaires à Burundi, kako ya Burundi. Babito confondu y bango, tu vois ça qui que baza babandi. Et là qui n'ango, tu vois qui tient à côté Burundi, va réagir, soit va kanga qui ba militaire ou on a basé l'opération, on a au babomi ba militaire congolais. Toyo kite na kota Burundi so bakangi bon. Mawatro mes frères et sœurs, et puis bogomo na passivité ya FARDC, c'est comme si on n'a pas des hommes, c'est comme si on n'a pas des généraux, c'est comme si on n'a pas des gens vraiment à baleka na formation militaire pour ba le ba que non c'est que le Rwanda avait de nous faire toko répliquer. Même le ministère de la Défense tout monde a ra écouté. Tu es bien que tu sois existant dans le Congo bien existant. Ah, Mokoyo. Nzambe sunga bisona RDC oyo avec Fachi Beton pour les apacitro. En même temps, au peuple congolais, qu'est-ce qui se passe encore ici, dans la partie est là-bas? Alors, ici, on nous signale le massacre au Uchiko Lekana Ituri, les 6 juin, massacre Mogo et Salami côté Kuna. Et na village, na ba villageois, Bakimi, Bangonos tout Bakimi, ba porté disparu. Nouveau massacre de villageois en Ituri. C'était le 6 septembre 2021, ma massacre Wana et Salamaki. Alors, qu'est-ce que le journal nous signale? À la machette ou par balle, au moins 30 villageois ont été tués ce week-end en Ituri. Province de l'Est de la République démocratique du Congo, où sévit notamment le groupe armé ADF acquisé par la population de ce nouveau massacre. L'Ituri, comme la province du Nord Kivu, est sous état de siège depuis 2000. Mesure exceptionnelle censée mettre un terme aux activités de multiples groupes armés qui terrorisent les habitants depuis plus de 25 ans dans ces régions dont ils se disputent les ressources. 30 civils encore tués. Et le président de la République absent, le président de la République continue son voyage Bande Konangai, Namboka Oyo, il y a Allemagne à Kendaki, après Allemagne à Kenaï, Turquie, après Italie, à Keina, et ceux qui voient, puis toujours batté, batoutou, bazoko, batté, mais Fachi Béton, il y a solo pendant, Oyekola qui gouverne, Kakao, Oyebaki Naote, que non, un jour, Okomaga président, tu n'étais pas préparé. À diriger le pays, à voir comment les choses se déroulent dans le pays pour que yo pétan okoya ou améliorer d'ici ka ou bande ko reprocher Kabila tant aux alaki opposants. Donc constat d'échec total. Et les messieurs Fatou Béton, na moment où mboka neza ko pela moto, na moment où crise eza ko s'accentuer dans le pays économiquement insécurité, famine, nous surtout, il se permet de dépenser au moins 2 500 000 dollars par voyage, ce qui accueille un mboka étranger. Donc, il y a un mot, le monsieur est arrivé dans 101e voyage, banda bandi ba voyage, il y a 2 ans et demi. Bon, imaginez, vous avez 3 ans, 4 ans, 5 ans, assis à mandat, vous avez combien de voyages à l'extérieur du pays? Donc Diego Kao kuta kosa. Diego Kao o balbana biso qu'il a découvert l'embouchure du fleuve Zaïre. Donc Diego Kao a kosa pour ko tambola ya Félix. Non, il faut le kilabino tout quoi. On se pose des questions, tu cherches quoi? Même goutu ba biba luka ba investisseur ango. Mais ba luka lango pe boyete quand même. On ne cherche pas les investisseurs comme ça. Tournir le monde. Na banda bima ki mboka. So ki le kombie wana kenda ki Zambi. Na investiture ya président wana ya Zambia sika. Ti na moya lelo. Félix a zane ka an étranger. Ah.
c'est pas facile. Regardez les vidéos de Chilombo là-bas, en Turquie, ce qu'il fait. Donc, on a habité ce qui a été fait. On voyage en Ouzaïa, comme même investisseur. En tout cas, on ne sait pas. On va voir cela. Ici, peuple congolais. Oyoyo, Chilombo, Azako Sala, na Turquie, Kuna. Nous avons de plus en plus de vidéos. Il y a Moulaï, Eza Awa. Il est arrivé na la Turquie, Kuna. Ce qu'il fait là-bas. Regardez. Ortası Ram Bur Kalk Félix Tshisekedi que vous venez de voir, bande Kunangai, au moment Oyo, Mboka, Kiris Ezali, au moment Oyo, Batbaza Kole la passe na Katia RDC, le président de la République continue de faire tuer des voyages, que les gens, le Congolais se posent des questions, est-ce que le monsieur est conscient de Makambo Azosala? To vraiment ne kaka député wana le baba naye que Félix Tshisekedi Aza est conscient. Parce que Batbaza comprend des terres, Mboka na yo, situation est tranquillité. Donc, lié le corps à ma bételie à ma fanfare, wana. Donc, Félix, c'est quoi maintenant qu'il est président? Donc, si ma bételie à ma fanfare, t'es à comment on a que Aza ou la présidente. Donc, tu as une vidéo, Moussouboyo, Kanengazo, le Bakeno. C'est pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo qu'un président de la RDC a qu'un de Turquie. Parce que ma présidente, tout le monde a qu'un de Turquie. Parce que ma bille est que l'Ougani est Turquie. D'ailleurs, ma contrat me soit tout signé à Wawa. Et le binangota, jeune oyo, set kikuni, oyo yazamo entrepreneur, pour yé pa outa batir kikuna. A lobi ke, voyage de Félix Tshisekedi. De tous les pays visités hors Afrique, il n'y a que le président turc qui viendra en RDC avant septembre 2022 avec les grandes entreprises turques. Le premier échange se value à 250 millions de dollars, l'équivalent de l'argent dépensé par Félix Tshisekedi depuis le début de ses voyages. C'est Kikoun. Donc, c'est Kikoun dans le pays. Banda Félix a banda au sein de la voyage. Banda Kenda Kake, France, Allemagne, Belgique, Tunisie, Bapaye, Belébela, Tamboli, Wana, Maroc, il a mis surtout, Wakeya, Tamboli. Le seul président qui a répondu positif, peut-être, Tolo Bayango positif, dans le voyage, il n'y a pas de c'est le président turc. En dehors, il y a le président turc. Babi sika toi le kaki. Ma président ba ne koyambega ba yambi ba leki na bon. Histoire leki. Seul le président turc
ayebisie que peut-être avant fin de l'année na nakoya RDC. Donc nous avons déjà les 9. Tu habites dans combien de jours que le président turc va se rendre en RDC pour Bakuta Nasuna Félix Tshisekedi d'échange bilatéral. Et en même temps, la coopération, RDC-TIC, turque plutôt, était évaluée de 58 millions de dollars. Mais après le voyage à Félix Tshisekedi, le président turc a dit bon, le quoi tu as 58 millions de dollars, tu as tout avec les entrepreneurs turcs, Awa. Tomatisango comme à 258 millions de dollars. Donc juste pour 258 millions de dollars que Félix Tshisekedi a dépensé, mbongo yobi nango cette kikuni, mbongo le président tika lobi ba komatisa pour na ba entreprise na bango na ba investisseur na bango, eza mbongo Félix Tshisekedi a dépensé banda banda ko sala ba voyage na ye. Banda banda ko sala ba voyage na ye zo bimaka 1, abimi 1, 2, nena komi na 101e voyage, le même argent. Il y a un président turc à Lingui a investi dans la RDC. Allez-y maintenant faire la comparaison pour comprendre qui est intelligent et qui est bourrique, qui est zoba. Voilà la comparaison. Mbongoyo, président turc, a investi dans le Congo. Tout ça pour évaluer et tout, matissa quand même, n'est pas comme ça la coopération. Nous avons surtout 58 millions, babi, on a comme ça 58 millions. Bon, même Mbongo, Félix Tshisekedi dans 2 ans et demi, il y a un salaire libre à voyage. Ce que c'est là qui m'a dit, l'argent qu'il a dépensé là pour un voyage, à quoi il a investi dans la Congo, à quoi il a investi dans le tourisme et la Turquie, il y a un salaire là. Tandis que l'Est et la Congo, les choses elles ont continué à s'empirer. Ma cambaza on continue aux la grave, on ne sait pas comment on va maîtriser la situation du pays. Lui il fait le tourisme et là comme Alunga par comme Malambo quand on a tourisme et voilà exacté. J'ai reçu la vidéo de qui, comment s'appelle ce monsieur là, Yoweri Museveni. Yoweri Museveni a sali émission na France 24 et na lotti la bino moi parti à la vidéo wana. Comment Moussa est venu à Zakoloba pour qu'il va lutter contre l'insécurité dans Katia Congo? Oui, il y a un bateau qui est Félix Tshisekedi, qui est Mawa 3. Il y a un bateau qui est venu à Kaka, à Tamboula, à Naipo, à Osana, à Rien à Congo. Alexandre a 5 ans dans les villes de Mouana, tout ça, Makam, tout ça, on a pour ça, RDC. Moussa est venu, se préoccupe de l'insécurité. Il y a Est et à Congo, qu'on est quand même Félix Tshisekedi. Non, regardez bino mo boyokawa et puis na le banabino le minéraux du Congo makamuni neza koleka kona. Suivez Yoweri Museveni comme azakoloba awawa peuple congolais na interview oyo bayaki ko tunai. Suivez Museveni awa azakoloba. Problème au Mozambique. Oui. Le problème au Mozambique est lié au problème de l'Est de la RDC. Ces terroristes qui sont allés au Mozambique sont passés par l'Est du Congo au cours des 20 dernières années. Le problème de l'Est de la RDC devrait être réglé en même temps que celui du Mozambique. Et nous pourrions contribuer à tout moment. Est-ce que vous êtes prêt à envoyer des forces ougandaises sur le terrain au Mozambique, comme le Rwanda l'a déjà fait? Nous aimerions commencer par le Congo. Le problème du Mozambique ne sera pas résolu si on ne trouve pas une solution à la crise congolaise. Parlons de la RDC, justement. Vous, les États-Unis, d'autres parlent de la menace des forces démocratiques alliées, ce groupe djihadiste dans l'est de la RDC. Vous avez évoqué la possibilité d'envoyer très bientôt des troupes sur place pour intervenir. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où vous en êtes? Nous avons toujours été prêts à aider si le gouvernement du Congo nous y autorise. Est-ce que la RDC vous a demandé d'intervenir? Nous en parlons avec eux. Est-ce qu'on est proche d'une telle décision? C'est au gouvernement de la RDC de l'annoncer, mais nous en discutons avec lui. Je veux en venir à vos relations avec votre voisin.
qui parle de comment aider le Congo, na makambo yeza koleka na RDC. Comment aider le Congo. Mais le président de la République est absent du pays. Il ne se préoccupe pas réellement de ce qui va arriver dans son pays. Il fait de voyage en voyage. C'est comme si les choses du Congo, ça le quoi la bazar, mon roboé. Et ça, le kaye kakaboy. Toujours comprendre de te qui est Chilombo. On ne comprend pas. En même temps, on m'a envoyé encore une vidéo d'un général, un major, je crois, que Félix Tshisekedi a nommé récemment à l'est du Congo, Nakotang Labino Kombonae, qui menace la société civile au bazar au salaba marche contre Bango na état de siège na Bango Baki Kocha na kata pays. Tandis que la population bazongo na clarté pourquoi vous avez mis le tas de siège parce que batoza on continue au kufa. Ah ouais. Regardez ce général là le propos qu'il tient contre la société civile il y a est il y a RDC ninge bango bazako revendiquer oyo bango bazako loba contre l'insécurité ezako ya na RDC. Regardez ici, regardez. Société civile est moins. Société civile, il y a pas bandit, il y a pas malfrat. Il y a pas coupeur de route. T'as informé Binoy encore. Moussa Labango, qu'on soit capable d'image. Qu'on soit capable d'image, il y a ma paix. La image, il y a pas chinois. Oh, ceux qui vont s'arrêter, ils vont s'arrêter, ceux qui vont s'arrêter, ils vont s'arrêter, ils vont s'arrêter, ils vont s'arrêter. Batia ngo na ba réseaux sociaux, ba komi na mwenga, boy na boy. Oh, fardese boy na boy. Oh, tala. Biso avato yao. Biso tozala kiao. Déploiement ou redéploiement des militaires et des officiers. Et zala ki déjà na mwenga. Ti, ba chabunda wana, ava ba chinois ba ya, ba soda ba zala. Alors, on m'informe que lui-même, le général là, a des concessions minières de ce côté là-bas. Même si Azar au la déclaration là, il a des concessions minières na Katia Est et la République démocratique du Congo. Et il n'est pas un homme vraiment crédible. Crédible peuple congolais. Non, c'est vraiment quelqu'un qui parle. Non, il a des concessions minières, beaucoup de minéraux et beaucoup de minéraux dans la partie est de la RDC. Et selon les informations encore à notre possession, peuple congolais avant de clôturer chapitre Oyo, il y a Makambeza Kolekana Est et RDC. Et puis, il y a un titre qui vient de titre sur la richesse de la RDC. Sur le total vidéo, il y a un c'est la MONUSCO qui embarque la population dans le camion na bango et destination na bango, on ne sait pas. Ceux qui basent comme na bango, je crois, ba kota ba province Moussoussou, il est mon président Azate. Alors, on m'informe ici, je vais lire le texte comment envoyer sur comment le richesse de la RDC. Ezako bima mboka mbenge batu bazako kota bazako yiba le Rwanda en premier lieu et l'Ouganda en deuxième lieu. Alors quelle information qu'on m'a donné ici concernant toutes ces choses peuple congolais. Qu'est-ce qu'on m'a dit ici na tangela bino yango mwandambu awa. Voilà. Alors on me dit Paul Kagame du Rwanda finance le terroriste ADF. Pendant plus de 25 ans, le groupe terroriste allié démocratique Force ADF, qui s'est enfui de l'Ouganda, fait face à la violence contre les civils innocents dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis la fin des années 1990, les ADF opèrent dans la province du Nord Kivu en RDC, près de la frontière avec l'Ouganda. Alors que les offensives militaires répétées contre les ADF l'ont gravement affecté, les ADF ont pu se regagner car leur réseau de recrutement et financement ont resté intact. Les rebelles de l'ADF ont bénéficié de financements étrangers et d'un soutien logistique principalement le voisin du sud, le Rwanda. Le Rwanda a longtemps été l'un des principaux contributeurs
à l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs en particulier. Ce n'est pas un secret non plus que certains chefs des ADF, dont l'ancien chef suprême Jamilou Mukulu et Moussa Baloukou, avaient une maison sûre à Kigali où ils seraient hébergés chaque fois qu'ils seraient en transit de la RDC vers la Tanzanie ou chaque fois qu'il y avait des offensives de gouvernement de la RDC. Jusqu'à présent, l'ADF maintient certains commandants rwandais parmi ses hauts dirigeants comme Richard Mugisha, alias Richard Muzei, qui est également le beau-fils de Jamil Mukulu, entre autres. Les témoignages des personnes arrêtées lors des opérations contre le terroriste de l'ADF dans l'Est de l'Est et d'autres libérés de leur captivité pointent du doigt les Rwanda étant le principal bailleur du fond du groupe terroriste dont le but de semer l'insécurité en Ouganda. Kagame utilise également le combattant de l'ADF pour mener une guerre par préoccupation contre l'Ouganda dans le but de contrecarrer le projet routier Ouganda RDC de Bunangana, Goma et Mpondwe à Beni. Voilà, oyo ba information batindra kibiso concernant oyo zakole kakuna. En même temps, on nous informe encore sur l'opération Ezakole Kakuna que c'est justement un secret de Polichinelle que Bazako préparait encore que va piller les ressources naturelles et RDC. Donc toutes ces constructions au Bazako Babatoukala, Ezaka a un objectif moko, c'est-à-dire piller ce qui reste de la RDC. Piller cela. Nyosotu et Kende. Et banani bazali, ba première bateau va bénéficier d'ango, c'est le Rwanda. Parce que Kagame, Azala a toujours semblant. C'est comme si Ye Azali naye innocent. Mais je vous informe que c'est lui, l'auteur, Yamakambebele et insécurité, y'a parti Est et RDC. Vous avez suivi l'interview à Museveni na Tshala Kibino. Moussa Veni Babissi, mais pourquoi besoin que nous bougeons ce terrorisme était en Ouganda et plutôt en Mozambique? Il dit non, on ne peut pas aller en Mozambique si on ne résout pas d'abord le problème de l'Est du Congo. Alors, si réellement Kagame était soucié, s'il était réellement soucié, il y a Oeza Kolekana Congo. Comment Kagame a envoyé multiples militaires en Mozambique là-bas? Lui qui est en bon contact avec Félix Tshisekedi, et les deux s'appellent frère. Mais comment un frère ne soutient pas son frère pour finir ce qui se passe au Congo? Et ce qui est réellement ce groupe, et là qui groupe Moko, et l'inga qui peine à déstabiliser la région, et bien l'inga qui a pouvoir dans le Congo, il pouvait être non simplement attaquer la RDC. Tout le monde a attaqué, ils ont côté Ouganda, ils ont côté Rwanda, ils ont côté un pays voisin. Mais comment les attaques là, et y a un pays Moko, la RDC? Soyez les amis pendant que bataille qu'on a, les amis un objectif il y a ADF, bah comment si n'a point au bango balimba comment. Moi je pense que mais les minutes sont toujours là si bah côté Rwanda, bah zoko tapé Ouganda, besoin on a un mot bataille Rwanda, un mot bataille, pour c'est facile, bah ça a pays, tout ça a frontalier on a. Donc ceux qui bah suivi attaquent comme ils béni et comme ils na Ituri, c'est facile qu'ils attaquent le Rwanda. Alors comment ils arrivent pas à attaquer le Rwanda et comment ils arrivent pas à attaquer l'Ouganda? Seulement la RDC. Alors le président de la République continue de circuler. Mais d'ailleurs, on m'a envoyé encore des trucs que je veux vous montrer ici. Alors dans ces trucs, on m'a envoyé le promesse d'Anthony Tshilombo qui continue de multiplier. Mais le monsieur avait multiplié d'abord plusieurs promesses. Avant tout, comme dans Oyoyo. D'abord, ceux qui n'ont pas eu Moko Awa, pour que Binomoko Bomona, les promesses, multiples promesses de Félix Tshisekedi envers le peuple congolais. Et rien de ces promesses n'a été tenu ou n'a été réalisé. J'annonce le lancement de la campagne d'identification biométrique de tous les citoyens en vue de doter le pays d'un registre national de la population d'ici à 2020. Félix Tshisekedi, le 3 septembre 2019, aujourd'hui, ça fait presque 2 ans qu'il a annoncé qu'il va faire ce recensement-là, que nous voyons
Nous voyons maintenant Christophe, comment on l'appelle ce monsieur-là? Muto va bengi na kombo ya Mwando Ntimba. Ye le kolaza ministre wana ya environnement soki ya nini? Ye ya akeyi ya bandi ko loba pesu su bandi ba banda recensement. Avanti reza na mboka. O Félix Tshisekedi na promesse na liboso. Bola nanu Mwando Ntimba makambazo ko loba awa peuple congolais. Regardez Mwando Ntimba awa makambazo loba. Yaï mambo! Qui a dit que Bilo Rognon soit possible? Ni a sololi na micro. Ba impact nyon so pe na idéologie. Yaï mambo! Ministre d'État Christian Mwando Ntimba bakise la kaye, mokonzi ya bwanya pe ya maele a panzaki matière pour na kolakisa na ba structure mususu ke na misolo kaka mukie biloko nyonso eza possible pe avant 2023 masolo nyonso carré boyoka enenge nini asololi na micro. Pour diminuer le coût, on a mis les trois opérations qui vont faire certaines opérations ensemble. Les opérations d'enrôlement qui seront faites avec l'appui de la CENI vont être terminées normalement, si tout va bien, l'année prochaine déjà. Tandis que les opérations d'identification de la population et le recensement général vont aller jusqu'à mai 2023. Ceci va permettre d'une part d'avoir les enrôlés pour préparer les prochaines élections suffisamment à temps et d'autre part d'avoir les cartes d'identité d'ici mai 2023 et à côté de cela avoir un outil de planification en connaissant le nombre d'habitants en République démocratique du Congo et le nombre des structures sociales et de travail en République démocratique du Congo. Vérité yango bana mboka bondi melangai recensement bolukaki identification enrôlement kala mingi te makambo nyonso ko salema pe mwana Congo akozana lolendo ya kozana carte d'identité na ye pe akosanrolé pour na ko participer na élection d'impact pe na bien même na Katia Salouana. Si vous avez remarqué la présence de Oyazala qui président ya Seigneur Balinga Bacha président ya Seigneur Baruti Bachela qui est matata, il était là. Comment s'appelle ce monsieur là du bas Congo? Il était là. Le monsieur là, le nom m'échappe. Boyebie Azala qui wana, donc c'est-à-dire Azala na Seigneur Azala na, donc élection 2023 na komana na pour wana bon to so lango. Il est encore là-bas. Comment s'appelle ce monsieur-là qu'on a dit qu'on a chassé à la CENI, à Koko, ma président à la CENI, t'es pas un kabiliste. Bon, moi, il y a une réunion, on a Azana Nouan. Donc, CENI, on a changé, il a été. Alors, première promesse à Félix Tshisekedi d'échouer en Wana. Deuxième promesse, n'a échoué, peuple congolais. Je suis prêt à mourir pour que la paix soit une réalité. Félix Tshisekedi, le 7 octobre 2019. Lui-même, Alobi Yango, Malonda, Chris, voilà. Bomoni Malonda, wana. Ye wana zaki na katia sal, wana na ba Mwando Ntimba. Boze l'élection 2023, bomona makambe wosa. Bato bazo se la yango, nenge wana kaka sogi ba reforme et salamite. Félix Tshisekedi, je suis prêt à mourir pour que la paix soit une réalité. Siko, lelo wana zo tambouane na tirke. Troisième, promesse à Félix Tshisekedi, peuple congolais. Écoutez. Dans quelques semaines, je serai un habitant de Goma. Je vais venir habiter ici. Je vais vivre avec vous. Je voudrais entendre au quotidien vos problèmes et nous allons les résoudre ensemble. Félix Tshisekedi, le 8 octobre 2020. Donc, le 8 octobre, au mois prochain, toujours comme ça, une année depuis qu'il a fait cette annonce, la promesse qui ne tient pas toujours. Félix Tshisekedi, toujours. Et pour terminer dans ses promesses, Félix Tshisekedi, je ferai de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Et ce n'est pas une vaine promesse. Félix Tshisekedi, le 15 novembre 2019. Et il est où? Il est où? Il est où? Il est en Allemagne là-bas. Où il s'est déambi, et plutôt en Turquie. Où il s'est déambi inutilement sans savoir ce qu'il va faire.
La vidéo est là quand on... il a et puis les gens se tonnent. Mais parce que tout le magambo est assuré pour Namboka. Oye ko lugani na Turquie awa. Oye ki ko sa ni na Turquie. La réponse de Félix Tshisekedi, le président turc parle de grande coopération. Oye bako bandana Congo, babilo ka belé belé bako bandana sa na RDC. Mais quand à Félix Tshisekedi ba tout nié question, monsieur le président, yo oye coopération awa. Oye pona nini makamuli ni tokosala ngai biso na yo. Suivez la vidéo de Félix Tshisekedi awa boko kamwa peuple congolais somo réponse taï. Merci, merci beaucoup monsieur le président, cher ami. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier au nom de mon épouse et ma délégation qui m'accompagne pour cet accueil chaleureux, un accueil digne d'une première visite. J'ai eu à le dire au président, c'est la première fois, pour ceux qui ne le savent pas, qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo arrive en Turquie et en plus coiffé de la casquette de président en exercice de l'Union africaine. C'est tout un symbole qui manifeste le désir ardent que nous avons de coopérer dans tous les domaines avec la Turquie, votre pays. Et cela ne va que aller dans le sens du renforcement. Merci, vous avez à mon avis balayé tous les points. Les discussions ont tourné au niveau multilatéral sur la nécessité d'organiser, de tenir ici en Turquie, dans la seconde moitié de novembre, si tout va bien, le sommet Turquie-Afrique. Et comme vous le savez, l'Afrique a... Félix. Tala Félix Tshisekedi. Tala Boyoki Mambo Félix Tshisekedi à lobby. Merci beaucoup, monsieur le président. Mambo Félix Tshisekedi à lobby na Turquie, en Wana, peuple congolais. Koka Mwate. Oh, yo Félix Tshisekedi à quel bana Turquie, en Wana. Yo ke coopération à Mounene. Oke coopération au Etali Makambo Yamboka, venir Yamboka. Réellement, Makambo ke au traité na Turquie, de ozo wa coopération, koke ne bien banini, banini, banini. Ah, Fati Beton. Vraiment, non, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable comme on a donc grave président vous allez subir les conséquences au nous surtout vous quand a quitté vous subir yango na fati beton po les congolais s'étonnent mais qu'est-ce qui se passe à la tête de ce monsieur mais pourquoi ce monsieur même dans le monde étranger accueilli voyage kaka yemoko mais na voyage na azo maîtriser rien il ne maîtrise rien il ne maîtrise rien. Ah, mais le moment où il y a une coopération, on a besoin de comprendre la coopération, c'est l'essentiel de toujours comprendre la pourquoi il y a une coopération. Ah, on a besoin d'infos expliquées, on a besoin d'infos. Si vous avez des informations, s'il vous plaît, envoie-moi. On a besoin d'infos expliquées, appelle, s'il vous plaît, on a besoin d'appeler. Tant que vous avez besoin prochainement, après une ou deux semaines, tu vas ça l'appel sur l'actualité. Là, vous pouvez réagir. N'engue bo single bo loba mais na kati awa tozo yamba batute s'il vous plaît. Tozo yamba batute pour ezalo et déconnecter rabiso na ba mission. Ezalo ko lozo landa journal TV5. Hein ba congolais boza la peine esprit wana ya compréhension. Ezalo ko lozo landa journal TV5 tant que journaliste azolo boko benga e. Soko za eloko ko loba on va peut-être imer na bango po komela bango parce que journaliste azo l'émission na TV5 ou bien na CNN yo bengende. Donc tant que ça l'appel sur l'actualité to yamba bino ndenge senge to yamba bino mais tant que ça la boyer ba info boyer za émission to prépare toujours répéter on prépare l'émission c'est pas quand que to yebo mba moto bandi ko loba on prépare l'émission alors soit tu as préparé émission yo yena eloko mosu so lingo ba ki sene émission. Sambri, et puis et déconnectera. Mutuma kambazo linga loba, c'est pas bien. S'il vous plaît, tant que ça l'appel sur l'actualité, ou bien sur vos informations, je ne cesse de les dire. Ozana WhatsApp, nanga ozana numéro, nanga écris-moi l'information que tu as. Et puis avant que je passe l'information, je dois aussi vérifier. S'il vous plaît, n'ayez-moi bien. Voilà.
Mais magamango à Turquie a toujours compris d'été. La grande surprise, il y a voyage à Félix Tshisekedi na Turquie. Bah tout tout baso comme wa. Et là on y a des osa na Turquie kuna. Ah po, avant y a que Turquie biso toujours déjà nouvelle. Comme ça dans la réseau moi blague était ba réseau kati. Ba réseau pena ya muzindo. Ba réseau kati ba biso ba bengi biso ya bia pasta. Mtu no wana kuna kutoa supibula. Tobi mais asopi boule ni fachi beto. Ah bien, butuana rêver c'est fort. Po, botala. Et là on a expliqué bino. Denis Nyakeru était à Kinshasa. Denis Nyakeru n'était pas venu en Rome, en Italie. Bon moi qui Denis Nyakeru était. Bon moi qui Denis Nyakeru na Allemagne était. Mais comment se fait que na voyage à Turquie Denis Nyakeru ait. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre pourquoi Denis Nyakeru a dit Félix Tshisekedi na voyage à Turquie. Puis on a bien qui biso déjà biso que pasta mutno wana blague. Donc pendant le temps où elle qui ça qui Allemagne, Italie kuna ça récupéra qui petit Alain, petite sœur, benani, le qui Alain Pelana na mupanzi boye bazo tambola na ebanini. Ah Denis Nyakeru ayoki sango na musika. Abi ah fachi. O sanga ngai, yo neni ni oke voyage, obisinga oke voyage ba fait. Kote kuna komo bimana ba momi banini. Denis Nyakeru a sauté premier, ye mo wala ndi fachi beto na tiriki donc habite. Voyage à tiriki ngamo na ozala wana pour aso bona clarté. Ne yangwana esalike Denis Nyakeru aya rapidement na Turquie kolanda Félix Tshisekedi. Alandi Félix Tshisekedi na Turquie kuna yemoko. Po makambwane bandaki lana donc esa blague te po fachi atika tante. Ah! Voyez on a l'habitude que Félix a trouvé âme sœur na e na Turquie kuna blague te. Alors totala boye ah fi bon boye bimi boye soka bimi la côté nini. Ah! Père n'a pas mon père, ce qui peut père n'a pas évité, je t'ai présenté qui est pas Félix Tshisekedi. À partir d'Allemagne, je suis en Allemagne, Félix Tshisekedi, papa n'a pas na vidéo, je suis en Allemagne. Je suis en que c'est son père, Moutou, ami, et plutôt, papa n'a pas été ami à Félix Tshisekedi. Je suis en Allemagne, na Tiriki. Et plutôt à Bandai Gout, d'abord on a Allemagne, et à partir d'Allemagne, on a la qui si Félix Tshisekedi dit que non, moi on a eu, au Rubindé, moi on a eu. Moi on a eu. Ça va comment? C'est dommage que je vois parce que demain si je. Ah, donc tu t'appelles comment? Lenné. Enchanté. Tu seras là demain? Oui. Ok, c'est bon. Salut, c'est bon. Bah, voilà Félix Tshisekedi. Amoni Moana. Lenné, t'as tué. Ah, mais moi, on a dit Lenné. Po père wana abike facha zo leka opo kuruan me yango bisika fachi beta okutana mwana ao do père abedi mwana mupanzi abike Félix tanga zo leka obo ya kundei po fachi beto zaka na te sa yeba ki basango po ya kote fui black ite sa benda ki basango nenet na mushika a na parti d'Allemagne so ki pe Allemagne ya vrai na ebite to mona ba ba image bimeli biso fachi beto ndenge moko benda ki mwana wana. Mais on tient de la bise ba image. Ba image avant la Xabino, botanon ba image yango ya mwana ngwana Félix Tshisekedi akuta ina e. Ah! Ça na ra, makambo za black ite fachi beto. Ah, et des mboka za okufa me frisita. Ala ya libanda mboka. Ah, dani sa vivo to za black ite. Tika ngana kene mbako pona wa wona te muto. Ah, il y a ça qui est là.
Ah, vous avez un peu de peuple congolais. Aïe, 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 aïe. Nene tiye wana. Aïe, vous avez un fachi béton. Oh, vous avez une image à boy. Ah, aïe, vous avez un président de la République. Vous avez une image à moi. Vous avez une image à moi. Oh, vous avez un fachi béton allemand. Vous avez une tirki. Vous avez une biso que non. Aza mwana biya ba Siko ba image o Félix siko sa zwa kia kala Na telephone na Ba image o Félix sa zwa ki ba image o kala biya Ah o pecho Ah RDC eloga makasi Eloga makasi Fachi beton Asa zwa ki ba image o kala Ya nenet eh? Tala mwana Tala mwana ba nini ba mwana Moi, je suis au Canada à Félix. Aïe, Félix, tu as l'image à moi de Bimi. Ah, oh, non, surtout Félix, tu as la moine. Tu as la moine, tu as la fati bête. Ah, tu es congolais. Ce n'est pas facile. Tu as la moine, tu as la présidente. Père, oh, père, même tu es représenté par la fati. Ah! Ah, gaye, ah, Congo, ça me souvient de ce pot. Non, ils ont facilité. Ils ont facilité. Nene Tiewana. Nene Tiewana, l'ongo allemand, elle a dit Fati, Tina Tirki. Eh? Kale Fati déjà, vous n'avez pas la télé, bah, eh, Félix, à moi, là, bah, vino, bah, vino. Ah, mais, oh, ils ont bien quitté. Eh? Oh, Denis Zalan, nous m'a pas dit. Ça facilite. Et le vidéo, peuple congolais, il y a Nenet Siko na Katia Turki, na hôtel au Félix Tshisekedi na Zalaki, et Bimeli Bisope, ba image wana, yangoyo, ba image ya Nenet na Katia hôtel na Turki kuna, bisika fachi beton, abande azaki loge. Blo wa boye bena donc, ma wa trois, tala Nenet na Katia hôtel. Tala Nenet na Katia hôtel peuple congolais. Bino mwobo mwona ba image ha. Wota la image. Nenet, ayo kuta yana fachi beto. Ay, Kongo. Tala mwona ngo, wana ako bana poto. Bana poto, ata c'est que mon poto comme si déjà 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ah! Yo ça, tala yemo ko ndenga zo, ayi si pena mutona filmara nga ipe na, filmara ba nini ba nini image. Filmara nga déjà filmara nga. Do amati atiki ba tutu na se, nene ta mati na dikolo. Na suite ya président. Tala ne ba zo ko escorté pour kuta na fachi beton. Ah! Magambo za ba répéter. Le voyage le plus utile, le voyage. Fachi Beto. Ah, Gaïe, ah, Gaïe, DC. Ah, t'as la batoutu à président, na se, mais nene ta mati na chambre, na suite à l'icolo, pour akoutana Fachi Beto na Turquie. Et peuple congolais, bota la suko yo, image moussousu ya nenet, na kati hôtel, ya Fachi Beto. Nenet yemoro na kati hôtel, ya Fachi Beto. Bota la image ya nenet yangoyo ce soir. Bota la ibino mo nenet. Le voyage le plus utile. Tala yo. Ah, Fachi. Fachi beto. Fachi beto. Ah, Fachi beto. Oh. Ah, ouais. Félix, Félix le voyage le plus utile à Salagina, na Tirki Angwana. Agene le okuta na na nene tukuna. Ba solo ni mambula bango donc après à la fin de compte ba yego la exhibition sko dernière photo et la photo ba la exhibition ezala deux photos parce que photo mususu za yemoko nenet awa na fachi beton
na kati hotel wana nde bo mona image na suite o ba vanda ki tete a tete bisika o nene tazo ko lia ba mbuma na ye ba nene do ye wana ba mi balina fachi beton peuple congolais nde ngi bozo mona ba image wana na kati hotel ye yuti nene ti pa kuta ni nge eh boya otikata boka nga ba image ata boka ni ba image donc donc il fallait la cambrier situation pour mokile baté donc Félix ah gaye boko et la facilité ah makambu basali na nenet soka zaira boto ni maga ezaki mbota pamba zaira mbota pamba nenet akuta ina fachi beton mbota pamba kaka bon tundi mina biswa ezana ho makambu ezana ho rien Félix Alexis Gaza mon président ayambi nenet bakuta ina ye donc ba pesani ba ah oui, nous tout possible. Talaga nenet salonga qui depuis Allemagne, alandi fachi béton à Turquie. Alors bah koutani nengwana. Donc bien on va comprendre l'utilité de ce voyage. Il a dit voyage moro très important au Félix Tshisekedi a voyagé jamais kozanga pour makambeza yiku nezaki à makasi. À part coopération avec le Turc, coopération musupesala qui na mupandi. Oui salami wana. Mais bande konangai na Kinshasa kuna ndenge na zakolo banabino awa la souffrance, la population continue de galérer, continue de crier qu'est-ce que nous allons faire pour que les choses changent. Mais Félix Tshisekedi la zomo nanate, voilà le pourquoi même le maman de l'UDPS sont en colère. Mais avant la Xabino, regardez même l'eau de la régie des eaux où ezako bimana na robinet na kati ya capitale, ma ezo bimana régie des eaux yango yo peuple congolais. Tala ma ezo bimana kati ya régie des eaux na kati ya Kinshasa. L'eau de la régie des eaux. Il y a un Rwanda, les hommes du Congo, président, Azako dépensé des millions de dollars, il y a des années dans le Montina, mais bon, il y a la dans la régie des eaux. Si c'est la Gombea, il y a même 20 litres à maille, il faut ça la primaire de ta. Bon, il y a la Gombe, bon, c'est quoi, il y a le Vandi. Maille Zate, Passi, voilà le pourquoi. Même ma maman a une épaisse, ma tomboki. Ma vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Ma maman a une épaisse, ma comme maudire. Kabou, yana kabound. Ma lobi, ma détruit parti, ma tu as vie. Parti a une épaisse, ya papa. Ce qui manque à ces mamans-là, c'est simplement de dire que c'est Félix qui a détruit l'épaisse. C'est Félix qui a détruit l'avenir de l'épaisse. Parce qu'à venir à une épaisse, on est à la makasi pour Félix, à sa président. Mukolo Félix Tshisekedi au long président na yebite ce qui parti on a IDPS qui existait le sousso na yebite ba maman on a kuta IDPS ba tomboki binu mo moni yango misusu bazako yemba misusu bazako finga kabunda na kabuya plutôt na kabunu des inconscients des incompétents ba yoko bebi sa parti a batu vie pona nini ba maman on a ba chaki espoir que lokola mwana na bango Lito bango basali na ba mibali na bango na basi na bango na ba, na bana na bango basali le jour que IDPS ekokoma na pouvoir makambo ko changer na Congo le mama sont surpris que aujourd'hui depuis que l'IDPS au pouvoir bango bazo ko bénéficier na rien voilà qui fait leur colère ya ko silika awa ya ko senga même débat contradictoire bango na kabunda na kabui regarde bazo ko maudire bango Voilà, on a vidéo li bosso bomoni ba maman on ndé bazako modir, kabu yana kabund bazako modir bango bango moko. Oso ezaki ekolo mususu, obino bozana haine, bozana jalousie. Siko awa bango na bango bazako modir, kuna bobenga susu eza jalousie beza haine. Deuxième vidéo ba maman on bazana colère, bazako modir Félix, bazako modir kabu yana kabund. Regardez la vidéo. Na décision, on a pas nommé la maman, peut perdre. La maman, il y a rien.
Bissé. Bissé, ma marche bien à Bango. T'as pas eu décision, voilà. T'as pas eu un grand. Pas tout ma concoufa, t'as eu un grand terre. T'as pas eu la bonne frère. T'as pas eu Bissé, t'as pas de la charge. T'as pas eu un mot. Ça, ce sont des mamans de l'UDPS qui revendiquent que Bazo soit le côté, Banda Fati Béton continue à pouvoir. Il y a un conscient qui a été en débat, il y a un commentaire. Ce sont des inconscients. Au moins, je ne suis pas vendu pas du téléphone, il y a un peu sans se gêner. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Si ma maman a été en train de l'UDPS, il y a un peu de haine. Il y a un colonie. Si on a la majorité de ces mamans-là, ce sont des balouba. Ce sont du Kassai. Koutou ya Kassai ya kananga moussou vidéo pe zale zako surkile. Wana koutou ba mama nende na kanda ya ko sakanate ba mama na ya kota kananga kuna. Basala ki na kanda o koutou na kinta sa. Na kananga pe ba mama na ba tombo ki li sousou grave. Ba mwopi baza na en. Ba mwopi baza na jalousie. Po ba mwopi baza ba Kassayen. Ba Kassayen je peux dire. Ba mwopi ba tombo ki kontre yi de pesse. Bango pe bazana jalousie loko la biso. Po so biso to sali boye. Bongo bon non bino pourquoi? Mais bongo sa la même ba vidéo. Imagine-toi les vidéos là que vous venez de voir. Imagine-toi que des femmes du Congo central, de Chouaïlifone, ou Yabangala, basa la vidéo ya marque oyo ba mama na basali. Yo bongo na nenge ko tambola na ba réseaux sociaux, ba to bongo sa yango ba live spécial. Ba lobe moni de ba lingi ba luba te tra ba mama na Bangala ya ba Congo de bazo modire. Bataille des pestes, bazo modi, bakoutou bataille des pestes, bazo modi balouba. Tende bazo modi balouba parce que balingi biso na Congo te, balinga biso na Congo te, biso tozali lokola, batumoko tome manga mbu, balingi biso te, siko ba mama anata bazo ko modi kabunda na kabuya. Na ye moko Félix Tshisekedi. Ba mama na pe baza na haine, ba na jalousie, baza ba sorcière, po balingi Félix te, ba mama wana, baza na droite. Parce que bazo mon éclair, tes agara yo, oza na poto, oza inconscient, nous tous nous osa la bienté, oza la maye le koka na Félix Tshisekedi, que oza va prier. Régime à Félix Tshisekedi, banda komi président, yo oza na poto, o bénéficier na nini. Si le régime de Félix Tshisekedi est qui bien, mais le yo oza su na poto ta, mais so zongi Congo. Pour moutou moko teza na diaspora, ou alinga avant na poto, biso no suto ni galapso ovan na poto te. Moutou toi za oa, et ça comprend de maïe la mundele, a zon luka ben de moi loko na ya ke ne ko investi na Congo, va ane na Congo. On est mieux que chez soi. Soit te zon continue ko vane ti le lo, parce que rien ne marche là-bas. Yo mou repen ne go za wana na Libanda, Taliban. On vane na poto awa, o zon ko rozon na Congo te, parce que on ebi ke Félix ne fout rien. A zon sa ane loko te, voilà le pourquoi tu es toujours là. Voilà le pourquoi zon ko zon na te. Tant que zon la ksaba bilo ko boye, to zon la ksaba bilo ko Félix, a zon ko sa la partout, ben sécurité. Vous exagérez, Félix, ça nous sale belé, Félix, vani. Rien du tout, il ne fout rien. Ma maman n'a pas tombé qui. Ou mon yango. Bon ben, la souche, je suis dit, on a elle. Vous avez la jalousie, vous avez la félicité. Ce que ma maman n'a pas dit, félicité. N'importe quoi. Ma wato. Et, na l'huile, on a toujours aucun délai. Les élections doivent être organisées. Na 2023. Mais l'accès nos vidéos à mon outil malobi que bazo ça le recensement. Bango balobi recensement na ko banda na 2021 wa pour si la 2023. Si 2023 to aussi ça makamutuna ba carte d'identité. Ça c'est du mensonge ça.
Avec quel argent? Avec quel argent pour ça le recensement? C'est avec quel argent? C'est-à-dire, ce bon ami logique, ils ne veulent pas faire les élections au Congo. Ils ne veulent pas faire les élections, comme a dit Fayulu. Balingi Kosali sa élection, ils veulent glisser. Félix Tshisekedi cherche à glisser. Il cherche un moyen. Ninga Kosali la yango. Yango bakomi koyana bakamba enrôlement. Mais nous devons rappeler à Félix Tshisekedi. 2006, il n'y a pas eu enrôlement. Il n'y a pas eu recensement. On a eu les élections. 2011, il n'y a pas eu recensement. Il n'y a pas eu enrôlement. Yomo Koutouna, papa, nous bondons côté le Melango. Il y a eu élection. 2018, pareil, pas recensement, pas enrôlement. Plutôt enrôlement, il y en a eu, enrôlement, mais il n'y a pas eu de recensement. Mais on a tenu les élections. Donc, Félix, les manœuvres là, le bandana Christophe, ce qui est Mwando Ntimba, cela te regarde. Tu es libre de déclarer Makambutu Bolingi. Mais pour le peuple congolais, les élections doivent être organisées. Au plus tard, le 28 octobre, nous devons connaître qui sera le nouveau président de la RDC. Soko kosa ba recensement na yo, soko kobimisa la carte d'identité pour les Congolais. Ça c'est ton problème, ils ont un programme na yo. Ils ont un programme na yo, il y a président ba noma qui pendant 5 ans. Sala oyo lingo sala, pesa ba carte d'identité, sala ba recensement, sala ba enrôlement. Ça c'est dans ton programme de 5 ans. Donc, comme il est 23 octobre, tu ne réalises pas ce que tu veux. Tu n'es plus président. Tu n'es plus président et tu n'as plus de humilité en tant que président. Et là, tu ouvres la voie na Oye Sengeli Eya Eya. Na Oye Sengeli Eya. Je crois que l'histoire est Alpha Condé. Le quoi la so qui est au peso ma elle était. Ça, c'est là-bas. Na Guinée. Ah, na Mali pétan ou salama ki ou baki, c'est le Mali, non? Ils ont envoyé Malé Malembe. Bon, on dit Paul Biya, où tu consens le remaniement armé. Hein? Pourquoi Bangui? Ils ont envoyé Malé Malembe. Ils ont continué Kaka. Pour nous, nous avons dit que nous avons clairement Awa. Alors, bien clairement Awa, peuple congolais. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Alors, bien clairement, attendez, nous avons dit que nous avons dit Awa. Alors, bien boy. Tant qu'il y aura. Attendez. Tant qu'il y aura des coups d'état constitutionnels, il y aura toujours des coups d'état militaires. Tant qu'il y aura des coups d'état constitutionnels, il y aura aussi des coups d'état militaires. Donc, Félix Tshisekedi, tant toujours comme à les 23, si toi tu n'organises pas les élections, si toi tu veux glisser par la force, en volonté, aux populations congolaises, à ce moment-là, passe, aux batois à coller là, et tu ne fous rien, tu ne fais rien. Partout tu balades avec le micro à Kinshasa aujourd'hui, bah comparer régime, bah comme écoute bah toi zone la même Joseph Kabila Azonga, parce que bah monique yo pena mawatro oya ki pena la popo mambo kawana o baby sambo kawana, tu ne fais rien, tu ne fous rien, tu ne sais rien du tout aujourd'hui, baby sagaka mbokana pour rien. T'as là ma voyage yamona même indekwana Isaac Kassitiro a commis à lobby. Excellence, monsieur le président de la République, tous les Congolais sans exception sont en train de prier pour vous avec raison, parce que vous accomplissez une tâche qu'aucun autre président n'a su réaliser dans ce pays. Imaginez, en quelques deux semaines, vous êtes allé participer au sommet de la SADC pour vous être à la SADC. Puis vous êtes allé en Allemagne, même avant à Kindalman, Ndekwana Bosanike, à Longwa Kisadek, à Yekintasa, à Kezambi. Après Allemagne, Sadek, ensuite vous êtes Allemagne, ensuite vous êtes pris la direction de Rome, Italie. Depuis hier, lundi 6 septembre 2021, vous séjournez en Turquie. Et nous apprenons que le samedi prochain, vous pourrez être au Brésil. Tout ça pour nous, Excellence. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. En tout cas, bon séjour, chef. Ne soyez pas fatigué de faire le bien. Même les Congolais ont s'est moqué. N'a Félix Tshisekedi po. C'est incroyable. C'est incroyable. Les Loawa, l'Obiawa, l'Obikuna, l'Obikuna. Mais aujourd'hui, Kanini, investisseur pas yakate. Na la kisimino ba promesse na ye tout apé ça à tenir ni. Oh, a ou tu ko signé les nouveaux accords avec la Turquie. Bon, ça sûr. Turquie a ko investir na climat ou ezana Congo. Ba za ba zoba.
Surtout c'est pour la première fois qu'un président de la RDC a été en Turquie. Et ça, c'est moi bien. Si tu as dit que Moutouana a été honoré à cheval, a été honoré en Égypte, ça y est là qui est. Turquie a dit exemple Égypte. Il y a un peu de cheval, Matissa et Licolo, Tamboussa et Lamba et Bosigné. Dans la vidéo, dans la conférence de presse avec le président turc, c'est le président turc qui a beaucoup parlé. Félix Tshisekedi n'a rien dit de bon. Na relation na bango bakuta na kikuna avec le président turc. Le monsieur ne maîtrise pas les choses de l'État. Il ne maîtrise rien. Il fait presque du n'importe quoi. Moutoubada continue à voyager. 2 ans et demi, le président de la République dépense plus de 252 millions 500 000 dollars. Rien que pour le voyage. L'ESNEL a un problème. La régie des eaux a un problème. Le prix d'entrée alimentaire, sérieux dans les problèmes, l'insécurité partout dans le pays. Mais qu'est-ce que tu es venu foutre à la tête de la nation? Mawa. Mais le Koko, YEP Félix Tshisekedi, alors qu'on force Makamula Makasi, et comme nous disons ici, la Mouka Azana marche le 15 septembre, déjà, tu as déposé le Koko Sengeli Sarama le 15, wana. Peuple congolais, suivez d'abord le prof Nani Devos Ningazakolobasso. De M. Joseph Kabila, c'est cette capacité d'avoir réussi à partir du pouvoir de former dans l'opposition des disciples fidèles capables de relayer sa vision. Mais vous en parlez un peu beaucoup, professeur. Quels sont ces disciples? Il faut commencer d'abord à parler de ces disciples. C'est M. Antoine, les plus grands disciples. Mais Antoine n'est plus dans l'opposition. Attendez, cher ami. Les plus grands disciples, c'est qui? Les plus grands disciples du kabilisme, celui qui applique le kabilisme dans sa version primaire que le peuple congolais a décrié, c'est M. Antoine Félix. C'est Félix Tshisekedi. Oh, tout le Congolais va dire au monde à Mabé, il y a moins de Sama. Alors, le 15 septembre, il y a une grande marche qui va se faire au Congo. La grande marche va se faire au Congo parce que nous devons dire non à la manœuvre de Félix Tshisekedi de vouloir glisser par la force, de vouloir tenir le Congo en échec, na Makambo Yazakosala. Et le dirigeant de la Mouka sont partis déposer leur mémo à l'hôtel de ville pour la marche où vous allez organiser des rosa komona bango bazako tambola peuple congolais awawa sont partis déposer la mémo leur mémo plutôt il y a marche au Ekosalama na hôtel de ville de Kinshasa pour nous dire bango que nous sommes pas là pour na banini. Alors écoutez leur déclaration. La lettre d'information conformément à la loi pour dire à la population congolaise que le 15 septembre, dans pratiquement 12 jours, nous devons marcher pacifiquement conformément à la Constitution de la République, conformément aux lois de la République pour dire non à la CENI politisée, non à la fraude électorale qu'on est en train de planifier et non au glissement par rapport au délai constitutionnel de l'organisation des élections. Donc c'est confirmé, le 15 septembre, toute la population doit se mobiliser. Plus rien ne peut empêcher. Au peuple congolais, et nous apprenons ici, peuple congolais, qu'une pétition vient de commencer à être signée à Kinshasa là-bas contre Mbosso, le Mobutuiste Mbosso. Je crois que Batumingi Balandaki Molière TV aussi, hier chez Piero Azolobake, Mbosso ne laisse pas le débat et ça Manakata Assemblée nationale. Mbosso se croit qu'il est encore dans l'époque des Zaïre. Comment il gérait les Zaïre? Alors moi, il a interpellé le ministre Ezate. Depuis qu'il est devenu président de l'Assemblée nationale, on n'interpelle jamais un député. Même un militaire, si on y a un dossier, Mbosso, camarade, tu ne peux pas venir nous voir au bureau? Camarade, je vais te retirer la parole, je vais te... Donc, Mbosso, à ce moment-là, non, tout ça, à l'époque, à Zaïre,
Congolais. Allez, bazu si chance à gérer l'Assemblée nationale, malgré que Azalaki nommé par Kabila, mais Mboso, Azumon Agalwa, comme autant la Banamura, tout est permis. Alors, le YP n'a parti, écoute, pour la première fois, n'a parti à Mboso. Pour la première fois na vie, na yoka ke mbosa za na parti politique, ba oui ba opé ba sa la marche le 15. Ta la défi, ta la mboso, médiocre. Alinga affronter mes salama, pour le ba ono ba ta la muka ba beta ki ba ta ya nini. Ok, tant bien mboso, tu es dit que vous allez soutenir par ba ta IDPS, pour na boya ko pertibé ma sa la muka. Tu es dit que, na sima wane za kabund, e za kabouya. Bangonde baza na sima na yo pona bo bo baby sa marche la muka le 15 mais bazo zela yo bazo zela pe bataille de pes kuna malem malem comme ndenge ka bozo ke na ona luenge yo koma ka ndenge wana ka yo koma ka ndenge wana mboso suko pe balancer déjà 98 signatures déjà collectées 98 signatures collectées bazo ko préparer motion de défiance contre mboso ba ko isai donc déjà le quoi ba comme 98 ah, on est à Boya Kosoba, le bas de Misambonga Soba va député Moussous. Pour ceux qui ont le Kikaka, et cap y a 250 Mboso Akei. Ah, et tu as eu deux ans, mandat Félix Tshisekedi de Sila. Ce qu'on souhaite, c'est que Mboso, c'est la sous-élection. Mandat nous a Félix Tshisekedi de Sila, on a des ordres partout. Mawa trop. Alors Mboso, le Kolabino, on a préparé glissement. Peuple congolais, pas préparé le Moussous. Il y a moins de temps, on continue à rappeler la Félix Tshisekedi. Ça sert à rien de s'entêter, ça sert à rien de faire la tête dure, de croire que non, le Congo est comme il est bien privé. Na yo. Tu étais ici dans l'opposition, au Congo, ça n'a pas tout le bâti contre Kabila. Au Congo, ça n'a pas tout, bah, maintenant, so, non, so, ande, ça va contre Kabila. Maintenant, c'est ton tour. D'abord, yo, yebike, tu as été mal élu. Vous n'avez même pas élu. Tu n'as pas été élu même. On t'a nommé président de la République. Alors, mais tu es là, tu n'arrives pas à faire des choses sérieuses. Et là, comment on a rappelé, et ça, et là, Oyo, Mouto Aoutikolova, après Koko et Achuti, il y a Alpha Condé, Mbatouni, Guillaume Soro, Guillaume Soro, à Côte d'Ivoire, à Komaki, à Tutine, des, et là, comment on a très important, on a autant de Félix Tshisekedi. Naba Taliban, Oba Oyebisayo, pour comprendre. Le pouvoir, c'est rien du tout. Les anciens ministres, il y en a des millions. Les ex-présidents, il commence à devenir nombré. Donc, quand tu es à un poste, ne prends pas la grosse tête. Garde des amitiés parce qu'on ne sait jamais. Un jour, tu auras besoin de tes amis, si petits soient-ils. Il y a un besoin de savoir Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, toi, tu es président. Ah, Batoutou, comme il est là, Batoupam, Baliboso, Nayo. Pourquoi? Parce que tu roules avec le jet, camion blindé. Banamura na simanayo sécurité oh na lo kana kité na vie et zana simanayo. Ozola na botel le plus cher du monde parce que eli ke naza président bon ozobi manango na caisse à l'état et za mbongo moto ki na ngaité. Mais le ko Guillaume Soro e bisio zala na mapeka ya kokita. Zala na mutu moko ya bien. Yebaka yango ke ebele pe batu bazaki ki ba président le lo bazaki pe ba président le susuté. Soyi to zuka exemple ya Kabila. Il n'est plus président. Celui total est ministre, il n'y a pas de mais le loi comme un peu million, il n'y a pas ex-ministre. Na oh, tout le monde est là, même dans Mboso. Ou comme il est le président de l'Assemblée nationale, ne crois pas que le gouvernement a pendant 20 ans, 30 ans, étant que président de l'Assemblée nationale. Il y a un temps pour tout. Oh, tout le monde est là. Bonjour, Vimba Moutou, ma peka Lucolo. Ah, tant mieux. Mais un jour, bateau, vous avez négligé. Bogoluka bango tena minda torche. Bato tu boza ko finga. Bogoluka bango na minda torche. Parce que bogomona ke bazala ki tu la soi toye baki. Mais gozala trop tard, peuple congolais. En même temps, le même Guillaume Soro a baki si li sous na tweet na ye. Après chute ya Alpha Condé. Alors biboye. Quand on devient grand type, il faut rester humble. Il ne faut pas prendre la grosse tête. Parce que si tu te prends la grosse tête, le jour où le pouvoir finit, le jour où le pouvoir finit, ta tête reste grosse et ton corps reste petit. T'as là le lot Alpha Condé. Bazo meme na mutuka, yoku to komo sengaye, aya exil na Congo. Mais Alpha Condé avait la grosse tête. Alpha Condé se croyait tout est permis. Alpha Condé a modifié la constitution. Alpha Condé a volé les élections.
Mais il est où aujourd'hui? Lelo oyo, yonde mtozo menace bata Kabila te. Ba joli numbi lelo ba kimi Congo, ba zali susu na Congo te, ba tango fort, ba komi korenye, oyo mususu na ni koma on appelle la, oyo aner, Kalev Mutondo, en fuite, ba ngotu ba kimia, mais soko talika ka 2 ans, 3 ans avant, ils étaient des hommes forts dans la République. Qui pouvait parler à Kalev au Congo? Nana voyez qu'on pointe le bon qu'on n'est pas à Kalev na Kinshasa, na kata RDC. Où est aujourd'hui Kalev Mutondo? Nana voyez qu'on pointe le bon qu'on n'ayait pas devant John Numbi. Où se trouve John Numbi aujourd'hui? Azawap. Matata Pono et les autres. Bazawap Lelo. Bah, comme il le voit là-bas, qui est? Pourquoi? Parce que pouvoir est si là-bas. Somme, comme il a pouvoir, Zalapé Emble, Félix Talagurodou. Nana Gourobanaï. Nana Gopé ses conseils. Il connaît tout, il sait tout, il maîtrise tout. Sans l'élection, au comico tripatrouillé CENI, Assemblée nationale, Sénat, l'institution, toute la République, ni on surtout au Bébissi. Selon Kakanengo Zokana. Mais Yébaka Yango, Guillaume Sora Lobi, tant que le pouvoir est si là, au moment où on a dit que si l'on a dit que 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 l'on a pouvoir et que y a zone d'imaté que non, bah quoi y a go tchaye na kata karo wana kende. Et les gens disent, oh non, Mindele karande basali coup d'état na parce que Mindele ba lingarabiso ba frikente, Alpha Condé, abande go sa la ba discours contre ba impérialiste, bani, parce que, bino ba frike pe bozo comprendre te. Moi les gens qui condamnent le militaire là, je ne vous comprends pas. Oh non, c'est la France veut se mêler trop de choses de l'Afrique. La constitution de la Guinée, lobby, après deux mandats, tu dois déposer le pouvoir, tu dois partir. Tu ne peux pas encore briguer un troisième mandat. Un monsieur Alpha Condé tripatrouille la constitution, viole les articles de la constitution, se représente, triche les élections. Babé qui est coup d'état, accueilli. Bonjour pour la Mindele, Mabé, pourquoi? Est-ce que Mindele, attends, ou pas français, ou pas en Asima? Est-ce que la faute numéro un, c'est les Français? Est-ce que la faute numéro 1 c'est les Français? Ce qui Alpha Condé est là qui conscient, tant que ça là qui demanda à Silici, fallait que Tika à sa sélection soit ligné à sa table de quoi une politique à Nabé Joseph Kabila. Mais la sali en mot, mais pourquoi y a ligné à y a régné et moko? Mbok en les a pas papa n'a maman n'a pas. Si quand on va m'indéler va profiter de la faiblesse, on va bêter coup d'état, ce qui est un peu bango te éviter. Mais la première faute, c'est lui-même, les dirigeants, nos dirigeants ne comprennent pas. Regarde aujourd'hui Félix Tshisekedi au pouvoir. À 2 ans, 3 ans passés, regardez les propos que tenait Félix Tshisekedi contre le pouvoir de Kabila. Tous ont regardé ma vidéo en 2018, avant l'élection Salama. Makambo Félix a demandé qu'on le bat contre le régime de Kabila, de Kabiliste. Mais regardez ce que Félix Tshisekedi reproduit aujourd'hui. Le plus de Kabila, il arrête des journalistes, il arrête des gens, des opposants, les gens qui manifestent, il envoie la police de l'air tiré. Et puis, c'est normal. Il faut ordre à la. Ah! On va dire qu'on reproche Batouana, les lots comme ils sont normal. Les lots, comme normal. Les lots, il faut faire une élection. Tika Seigneur est indépendante, libre, top on a mouta qu'on dirige l'élection salama. Ce qui yo Félix a gagné, pour le deuxième mandat, au gagné. Ce qui Moutoumoussou a gagné, tu lâches le pouvoir. Au Tiki, Moutoumoussou a remplacé. Té, Félix a lancé un mouna encore, a qu'on nommé Badeni Kadima, a changé ma structure, n'y a surtout, a nommé bateau plus proche n'aïe, à clan n'aïe. Dans la structure, il y a justice, ministère de la justice. Non, même il y a corps pastoral et à corrompre même l'église kimbanguiste. Nous surtout on a pour n'aille à régner en 2023. Il modifie certains articles de la constitution avec Mbosso pour n'aille à l'éca président en 2023. Sukoyo, tant que vous avez un bilan, vous avez un bilan. Ceux qui l'ont eu, ils ont un coup d'état. Bon, ben, ils ont un bilan sur Félix, c'est ce qu'il dit. On a besoin de reprocher Batou. Vous retenez les sons, on a besoin de reprocher Batou. Pourtant, on a besoin de la yo, qu'on a battu que non, il y a un gaïté. C'est ce qui se reproduit au Congo. Et les risques en est grand. Il y a un ancien gouverneur, il y a Kassai, à celle-là qui est vidéo, il a dit que Félix, la méthode qu'il utilise, c'est la méthode que Alpha Condé a utilisée. Et il y a un risque d'un coup d'État. Malamoko,
Steve Mbika a été porté et peint. Oh non, Azotin dans la militaire va faire un coup d'état. Mais malheureusement, le monsieur se trouve en Afrique du Sud. Il a habité Miskani, en Afrique du Sud. Il a lancé un mandat de l'international à Bengaye, à Yanakongo. Maintenant, vous Félix, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que le président de la Tozokende, au risque de ne pas avoir été commis avant le 2023 à Bécho coup d'état, au long pour le président. Bonjour, mon amour. Bonjour, quand ça va, quand non, on va avoir l'éternité en éternité. Ah, et puis, Libanga, les juifs, Tchakoun de Gero Sekater. Ah, Kabila Kenda, Kabila Paz, là qui. Ah, mais, ailleurs, on nomme Félix. Si vous avez Félix, Mathieu Owana, aux hommes, on a que tout est permis pour toi. On n'y a pas de tic à sous ma voiture, plein d'eau, autant pour la nangote. Mambon, ou à l'État, aux hommes, on dépense en haut, on n'y a continué là pendant 20 ans. Tant mieux, continuer. Tant au monde est l'eau, au bas, on a chita sima. On l'a tabasé, on a le Alpha Condé, on a taqué na. Na Blaise Campaoré, na Guy Nananyo, na Laurent Gbagbo. Okola tayango. Toza gagao. Bat bazo tala yo lokola yo komi ayant droit na ba taliban baza kolando na sima. Continue à faire le manœuvre dans le pays et le jour à venir nous dira plus. Voilà un peu peuple congolais. O tozala ki nango na information oyo ya kolakisa bino ce qui se passe en RDC Congo.